Toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle Il vidéo. s'agit de ma prescription lab du mois de mars. Donc je l'ai reçue. On est le 4 mars aujourd'hui. Je l'ai reçue samedi, donc le 2. Donc c'était assez rapide. Elle est dans une boîte un peu verdeau. Je sais pas comment on dit. Donc j'ai ouvert déjà, mais je sais ce qu'il y a dedans. Donc là, on a un petit flyer avec une surprise nous attend chez Sephora si on ramène ça et qu'on achète un parfum. Donc voilà. On a le prescripteur comme d'habitude et un petit pochon comme ceci. Et il y a un produit à part qui n'entrait pas. Donc, voilà. Je vais tout sortir. Je suis toujours autant satisfaite de cette box. Franchement, je vous la conseille à 3000%. Hein. Alors, il y a 5 produits dans un échantillon. Donc, il y a le parfum Flower by Kenzo Eau de Vie. Voilà, en échantillon. Donc, je le connais, je crois, celui-là. Ah, moi, c'est pas celui-là. Non, c'est pas très bien. Il sent bon, celui-là. On sent bien la fleur d'oranger dedans. Il sent très bon, celui-là. Donc voilà, je vous mets comme d'habitude les prix là. Si la box vous intéresse, vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos. Vous avez moins 5€ sur votre première box. Moi, ça me rapporte 5€ sur ma première, enfin, sur ma prochaine box. Voilà, je suis totalement transparente avec vous. Et on va commencer sans plus tarder. Donc, je vais prendre dans l'ordre du... voilà. Donc, et je vous ferai le total de la box à la fin. Également, comme d'habitude, comme ça, vous pourrez voir si elle vaut le coup ou pas. Donc le premier produit, c'est un masque lumière visage Ginkgo et plus ambre. Donc de la marque Prescription Lab, comme ceci. Vous avez 50 ml, il y a 95% d'origine naturelle. Donc franchement, il est pas mal comme masque. Dedans, vous avez du Ginkgo biloba. De l'ambre, de la vigne rouge et de la camomille matricaire. Voilà, donc je ne vais pas vous épiloguer, vous passer ce qui est écrit dans le prescripteur. Mais voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, je ne vais pas l'entamer encore parce que j'en ai d'avant, donc je voudrais le terminer. Ensuite, le prochain produit. Alors, c'est une lotion corps. Elixir Flora Absolue Fleur d'Oranger. Donc c'est une body lotion en fait, c'est une crème pour le corps. J'aime bien le packaging, ça fait vraiment très très ancien. Vous avez 150 ml. Et la marque Elixir Flora je pense. Non, le panier d'essence. Ça me dit quelque chose de nom, mais j'ai jamais testé. 95% d'origine naturelle. Donc plutôt pas mal. L'odeur je vais pas l'entamer parce que j'ai... une petite lotion d'entamer déjà. Mais de toute façon, vous retrouverez ça dans mes produits terminés. Donc, plutôt pas mal. Ensuite, il y a un gommage pour le corps de la marque Weed Gents. Alors, j'aime beaucoup leur gommage pour le visage. Donc là, déjà, vous avez... c'est vegan, c'est bio et c'est non testé sur les animaux. Et vous avez 100 ml. Alors, j'aime beaucoup leur gommage... pour le visage qui a la verveine, là aussi c'est également la verveine, ça sent super bon, c'est super agréable. D'ailleurs j'ai un gommage pour le visage en stock, donc voilà. Mais bonheur, calme et concentration. Désolée, j'ai mon œil qui pleure, je sais pas pourquoi. Donc c'est plutôt pas mal pour tester. La marque pour l'instant du visage, pour le gommage du visage j'aime bien, donc on verra pour le gommage pour le corps. Donc c'est plutôt pas mal, franchement, vous voyez, il y a des beaux produits. Ensuite, le dernier produit, c'est un shampoing doux, équilibrant, purifie, équilibre et apaise, de la marque Uriage. Comme ceci. Vous avez 50 ml, donc vous avez quand même de quoi tester. Bon, j'ai quand même les cheveux assez longs, même si je les ai coupés. Donc c'est plutôt pas mal, je vais voir ce que ça donne. Parce que moi, ils régressent assez vite, hein. C'est vraiment pénible, mais je testerai, vous aurez ça dans mes produits terminés, comme d'habitude. Donc franchement, cette box, j'en suis quand même ravie, toujours aussi contente.
Et puis la petite attention de la dernière fois qui m'a fait plaisir, il m'a envoyé une crème Dr. Jart. Donc voilà, j'en suis très très contente. Après, je sais pas combien de temps je vais rester abonnée, mais de toute façon, je vous la conseille à 2000%. C'est une box qui vaut vraiment le coup. Je vous mettrai donc le prix total de la box. Et puis comme ça, vous pouvez juger par vous-même. Bien sûr, c'est approximatif, hein, parce que je me base sur des sites, etc. Je divise les prix quand c'est pas des bonnes contenances, mais voilà. J'espère que cette petite vidéo sur ma prescription lab du mois de mars vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!